le vitrail se monte sous un nouveau jour. À Lyon, par exemple, on le trouve chez les commerçants, remplaçant les enseignes traditionnelles, dans les appartements, les vitrines des magasins et même dans les bars. Beaucoup d'ateliers de vitraillistes profitent de la tendance et voient ainsi le jour. On y apprend comment faire un vitrail et on confectionne ses propres modèles. Jean Maune, directeur d'une de ces boutiques, a son avis sur ce nouvel élan. Les gens viennent au vitrail en décoration pour le mettre chez eux. Donc le vitrail sort des églises. L'esprit qu'ont les gens à ce niveau-là est différent. Ce n'est plus un art sacré, ça devient une technique au service de l'art. Certains viennent par curiosité pour répondre à leur envie de création. D'autres, comme Thibaut, franchissent la porte de ces ateliers avec l'envie d'apprendre un métier. J'ai connu le vitrail exactement dans un reportage à la télé. Et en visitant tout ce qui est monuments, ou même on voit ça dans des régies d'immeubles, ou dans des restaurants, des pubs, on voit ça un peu de partout. Et j'ai trouvé ça beau, donc j'ai dit il faut que je fasse ça. Avec cette formation, j'aimerais surtout travailler, mettre à mon compte, et allier métal et verre, quoi. Mais dans quelques années, puisqu'il faut d'abord travailler en entreprise pour avoir une bonne expérience. On m'a dit qu'il y avait une formation possible en 6 mois, alors que dans les écoles, c'est en 2 ans, voire 3 ans. Donc, je suis venu ici. Et puis la formation sur le tas, c'est mieux, quoi. Lié par un contrat d'apprentissage avec l'atelier, Thibaut passera en juin prochain son CAP en candidat libre. Depuis que ce genre de formation existe à Lyon, tous les candidats ont décroché le diplôme. Les plus expérimentés ouvrent leurs propres ateliers et travaillent aujourd'hui dans la création ou dans la restauration. Et comme la France détient 70% du patrimoine mondial, le vitrail a encore de beaux jours devant lui.